ministre, avis du gouvernement, s'il vous plaît. Même avis défavorable du gouvernement. Monsieur Aubert, vous avez la parole. Oui, en vous écoutant, monsieur le rapporteur, je crois quand même qu'on est dans l'ambiguïté. C'est qu'on ne veut pas trancher, en réalité, les relations entre les collectivités. Donc à un moment donné, il faut faire tomber le masque. Soit il s'agit de mettre en place des formes de tutelle, des choses qui s'imposent. Tout à l'heure, on a quand même inventé la règle non normative, ce qui va faire réfléchir un certain nombre d'étudiants de droit qui, depuis Kelsen, pensaient que les règles étaient normatives. Mais maintenant, on explique que ce serait trop précis que de prendre en compte le fait que les objectifs chiffrés ne s'imposent pas ou ne soient pas opposables aux autres collectivités. Moi, je pense qu'on est là aussi pour mettre des détails et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur les relations entre ces différentes collectivités. Nous sommes là aussi pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une forme de tutelle molle qui naissent de ce texte. Et donc, je dois vous dire que vos explications, je les ai entendues, mais je ne les ai pas comprises parce que ça ne me semble pas très clair. Et quand il y a un flou, vous savez, il y a un loup.